Là, ça va faire 2 ans que je n'ai pas combattu, effectivement. Je devais combattre Jaumatif Mondjae. J'ai eu un gros problème de cutting. Ça s'est mal passé. À 2 kg du poids, mon corps a arrêté de transpirer. Je suis tombé au sol. Les membres ne fonctionnaient plus, les cordes vocales non plus. Le sang ne se tirait plus de mes veines. On n'arrivait même pas à tirer un tube de sang. Donc je suis parti à l'hôpital. J'avais pas grand chose à faire à part réhydrater. Donc à partir de là, mon corps s'est vengé. J'en ai eu pour une longue période. Je suis monté jusqu'à 112,5 kg. Du coup, là, il a fallu se remettre au travail. Donc, j'ai fait une longue préparation de 5 mois et demi, là, pour ainsi dire. Je suis revenu au poids que j'étais avant. J'ai retrouvé mes 25 ans un peu. Puis je suis de nouveau prêt pour refouler l'arène. Pas de problème. Écoute, très franchement, j'avais un game plan dans ma tête. Je voyais que dans tous ces combats, il commençait avec le bras avant, toujours en avant, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais essayer de chasser le bras et de mettre un high kick. Je sais pas s'il était au courant de ce que j'allais lui faire ou pas, mais il l'a vu venir, il a réussi à bloquer et j'ai vu que j'étais en face d'une pierre. C'est vraiment, il a des avant-bras en béton armé. Excuse-moi, j'ai plus de voix. Et si tu veux, bah, après, j'ai vu qu'il a tenté de s'en amener au sol. Je m'y attendais un peu, donc j'ai sprawlé assez rapidement. Après, ouais, j'ai fait mon contrôle de sol que j'ai toujours travaillé. Le contrôle s'est super bien passé, j'ai tout bloqué. Seul hic, si tu veux, c'est que je voulais le terminer en grand endpin rapidement, mais quand j'ai vu que les frappes, ça ne matchait pas sur sa garde, il a vraiment une garde très solide. Donc il a fallu que je trouve le bon moment. À un moment, j'ai tapé avec un coup de coude. Le coup de coude, il a fait le travail, il a commencé à crier. Donc j'ai terminé après sur les frappes. Une qui est passée derrière la nuque et puis une qui est partie au niveau de son œil. Il criait trop en dessous, donc l'arbitre il l'a arrêté. Parce que là, en fait, j'attendais un adversaire qui était fort au sol et que je voulais prendre debout. Finalité de l'histoire là, de tous ces derniers combats que j'ai faits, c'est que mon sol il est réellement prêt. À chaque fois, j'arrive à terminer au sol. Donc c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour de ma carrière à ce niveau-là. Je suis bien pour le sol, c'est bon. Bah, félicitations Steven, au plaisir de te revoir en prochain 100% fight. Ouais, je te remercie Arthur. Moi aussi, j'ai hâte de revenir.